Philippe, qui est encore à l'heure actuelle le seul à connaître les noms des heureux vainqueurs. Je vais rejoindre mes camarades pour la photo de famille. Les photographes peuvent venir, pas de place. Alors, mais où il est, Balavoine? Eh bien, alors, à la répétition, tu t'es mis derrière moi. Bon. Elle dit, je me mets derrière toi parce que tu es le focus de la soirée. Focus. Ah, c'est les filles devant, on vient de le dire, pardon. Ah oui, mais... Voilà. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pas de flash, hein. Merci. Michel Berger, c'est avec plaisir que je vais lui laisser la place. Je vais aller m'éponger quelque peu, là. Michel, à vous. Ah oui, tu vas là-bas. Mon nounours. Et je voudrais, j'ai encore trois copines que j'aime bien, c'est Dorothée, Chantal et puis Douchka, je voudrais que Jean-Louis Cap, puis envoie le clip là. Interprète masculin. Oui, alors Souchon a appris par cœur, mais moi j'ai pas de mémoire, alors on va improviser. Je te propose un petit jeu par exemple. Tu connais le jeu, original, le jeu, oui, enfin c'est pas un jeu radiophonique, c'est un jeu télévisé. Si c'était, tu sais, le jeu, si c'était, tu connais? Ah ben oui, oui, oui. Bon, alors, c'est, un chanteur, si c'était un sportif, ça siffle, hein? Un chanteur, si c'était un sportif, oui. Ça serait un alpiniste, parce que il faut qu'il grimpe, oui, oui, oui. Qu'il s'accroche, qu'il se cramponne, même, et puis... qu'il n'ait pas peur du vide, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois bon. Très bien. Oui. Et alors toi, c'est quoi ton jeu? Moi, je dirais que si c'était un animal, ça serait une bête de scène. Déjà. Ouais. C'est pas trop original. Ouais. Peut-être un cheval d'obstacle. Ah, c'est déjà mieux, ça, oui. Parce qu'il faut en franchir des obstacles quand on est chanteur. Il y a les éditeurs, les producteurs, ils sont tous là, hein. Programmateurs... Et puis il y a la rivière des tribunes aussi, le public. Oui. Alors? Moi je crois que, comme tu es président de la SACEM, ouais. Je suis sûre que tu as des tuyaux sur le tiercé gagnant de ce soir. Non, je l'ai comme tout le monde, dans le désordre, c'est-à-dire Julien Clerc, oui. Puis Jean-Jacques Goldman, et puis Michel Jonas. Bravo. Ouais. Mais je suis sûre que tu as un favori aussi. Ah oui, c'est un favori, j'en ai un. Alors? Ça sert à rien de te le dire, puisque c'est toi qui l'as... C'est vrai. T'as le résultat. Alors, tu nous le donnes? Mais oui, c'est le dernier prix. Oui. On va voir le champion. Ah, ça commence bien. Je vais garder en souvenir, tiens. Non, on nous donne pas... On n'a pas droit à un petit... On n'a pas de jingle, on a pas nous. De jingle. Non, bon, non, non. Alors, on s'était entraîné pour le jingle, ça fait rien. Bon, j'avais fait ça en mesure et tout. Très bien, bon. Alors, c'est... Tiens. Tiens. Tiens, tiens. Alors... quelle surprise. La victoire du meilleur interprète pour l'année 85 est attribuée à Michel Jonas. Bravo.
Dans la vie d'un artiste, il y a ces moments qui sont des moments de grande joie et des moments qui sont des moments très difficiles.